Bonjour tout super connecté Radio Télémotivation Spirituelle, spécialement toutes amis réconfort matinal nou yo. Moi saluer nous très fort. Nous comptons ensemble avec vous matin pour yon l'autre numéro réconfort matinal. À partir de 8h dans matin, pas l'autre rendez-vous, c'est un réconfort matinal qui pi gros rendez-vous. Hein. Toujours mettez tout dans ça à part. Pour capable former, pour capable comprendre certaines choses et pour capable joindre quelques mots de réconfort. Réconfort matinal, c'est une émission capable aider ou cap soulager ou nos problèmes que vous ayez, nos tristesses que vous ayez. Réconfort matinal a toujours là pour aider ou pour supporter ou parce que nous connaissons pile monde qui bouleversé, pile monde qui vraiment gain problème dans dernière minute yo, dans dernier temps là nous ouais bagay yo vin difficile, bien que la Bible te dit annoncé nous que dans les derniers jours pral gain en pile douleur, pral gain en pile tristesse, pral gain pile tribulation, mais c'est pas la grande tribulation que la Bible a parlé. Ça veut dire, nous avons toujours joué des moments de trouble dans la vie quotidienne. Nous. Ça m'a dit pour nous gagner plus la foi, pour nous agir foi nous plus dans bon Dieu. Mais ceux qui sont ensemble avec vous là pour servir vous, c'est serviteur Vladimir Michel qui portait pour vous réconfort matinal si là. Eh bien, nous prenons gagner pour nous partager ensemble avec vous, ils ont pensé du jour. N'a partagé un verset du jour également ensemble avec vous. Et pour, avant de terminer, n'a partagé guide lecture semaine, ou du moins journée avec vous. Par exemple, lorsque c'est un dimanche, n'a partagé guide lecture là pour toute semaine. Là. Mais chaque jour, n'a toujours rappelé qui ça va gagner pour lire. Parce que bon secret dans lire la Bible, par contre, est-ce que ou même quand tu entends des là ou tu es en réaliser secret qui gagne dans la Bible. Ou alors la Bible là, ou était fort, ou comprendre plus bien. Et le Saint-Esprit lui-même, les vivant dans lui permet tout capable d'interpréter Bible en bien verset contexte yo, parce que grand pile monde qui lit pour lit mais pas comprendre contexte yo. C'est ça qui est important pour toujours lire la Bible, mais avant même ou lit prier bon Dieu pour le capable baou bon discernement pour le capable bien baou opportunité capacité pour comprendre tout ça que vous avez gagné pour vidéo. Eh bien, avant même nous rentrer dans verset nous gagner pour avant même nous rentrer dans quelque chose nous allons partager ensemble avec aujourd'hui hein, des choses sur la confiance et victoire. Nous allons parler sur la confiance et la victoire. Ou même capitaine dans le ça, soyez confiant. OK? Soyez confiant parce que victoire là il est assuré. Ou pas besoin de peur, il y a monde qui peur, il y a monde qui troublé dans dernière minute yo. Mais qui te dit ou même qui croit dans bon Dieu ou même qui accepte Jésus-Christ ou pas gain pour ébranler ou pas gain pour troubler ça qu'a arrivé pendant vie quotidienne nan gonti inquiétude tout petit qui vient sur tout mais pendant le venir pas arrêter demeurer dans l'inquiétude c'est chasser inquiétude là. C'est chasser troubles ça qui viennent sur le chemin dans la minute que ou même ou remarquez. Ça veut dire il est important de rester ferme dans la foi. N'a partagé ensemble avec vous yon pensée pour journée. Hein. Eh bien, pensez ça pour journée hein, qui te dit vous réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça, c'est penser pour journée 1, nous partager ensemble avec vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ou même qui t'es dans le trouble, ou même qui t'es quelque chose qui a mangé, ou même qui a fait face avec des difficultés. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Réjouissez-vous. D'accord? Ou pas besoin de peur. Seulement fais bon Dieu confiance
eh bien, lui-même l'a capable de porter support pour vous, l'a porter soutien pour vous. Il dit dans la parole, invoquez-moi dans le moment de détresse. Je ne sais pas qui détresse que vous avez. Je ne sais pas qui problème que vous avez. Je ne sais pas si vous avez traversé. Mais en tant que chrétien, ou pas de ébranler, ça y a des choses à pas magasiner pour capable témoigner. Ça y a objet de témoignage pour vous. Parce que quand vous avez, bon Dieu prend levé au côté, il prend mettre ou non l'autre place. Et mes amis, vous besoin d'un témoignage. Hein? Chaque échelon, yo gagne un témoignage qui accompagne. Et ça, c'est même le ça. Quel que soit côté dans le monde, là, ou même qui est États-Unis, ou même qui Haïti, ou même qui Chili, ou même qui Brésil, ou même qui République Dominicaine, ou même qui Canada, quel que soit côté dans le monde, là, laisse-moi vous dire encore, réjouissez-vous toujours. Toujours, faites cœur content. Quittez rien pour toi aller. Nous avons une pile de choses qui sont capables de nous décourager. Nous avons une pile de choses qui sont capables de perdre la route ciel. Nous avons une pile de choses qui sont capables de retirer la route de la route. Qui sont capables de perdre la confiance dans mon Dieu. Mais qui t'aime tout. Lorsque vous recevez le salut, lorsque vous avez commencé avec Christ, lorsque vous dépouillez des vieilles hommes, rien, absolument rien, pas qu'à retirer l'amour bon Dieu en dedans, pas qu'à retirer eh bien capacité bon Dieu baou hein, pour toujours faire volonté rien pas qu'à retirer. C'était un pensée hein, nous t'a partagé ensemble avec vous jodi hein, eh bien nous t'a dit ou eh bien réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous allons partager ensemble avec vous maintenant et le verset de la journée. Eh bien, verset journée, hein, nous joignons ici dans Michée, ok? Livre de Michée, chapitre 7, le verset 8. Ok? Nous sommes capables de lire verset 9 là tout, il n'y a pas de problème. Ok? Nous sommes capables de lire verset 9 là tout. Ok? Bam, bam, lis pour nous. Eh bien, Michée, chapitre 7, le verset 8. Et verset ou bien pour journée. Ou verset journée, son bagay pour kembe. Ou passé journée, son bagay pour kembe. Ça va arriver pendant que je vais expliquer, aider ou de certaines choses. Ou pas kembe tout. Mais il y a des bagay qui sont des mots-clés, des choses, des passages clés ou doué kembe ça yo. Michée, chapitre 7, le verset. Alors, et Gomba Gaim Tebli dit nous tout, m'a gagné pour me présenter, nous pour terminer, m'a gagné pour me présenter, nous, yon Bible, pour me juste faire survol sur yon livre dans la Bible. Ok? Chaque jour, n'a gagné yon survol sur yon Bible, jusqu'à ce que nous voyons toute Bible 66, pour nous voir toutes 66 livres qui gagnent dans la Bible. Et je vous dis, rete connecté, mais pourquoi vous avez dit livre? Non, rete connecté. Pour nous capables de porter tout le bagage pour nous. Pour ouvrir un livre, je veux dire, la force sur son livre, nous avons toute information, tout ça important, vous allez connaître de un livre dans chaque édition, dans chaque numéro réconfort matinal. Je vous rappelle, soit peine connecté, ou sur Radio Télémotivation Spirituelle, ou à suivre réconfort matinal, une émission qui permet de réconforter la vie, et sous gagner une prière. Sou bien lui prier si vous gagnez eh bien normalement quelque chose à partager ou mettre écrit nous dans un numéro ou qui sous écran écrit nous dans un numéro qui sous écran sur WhatsApp comme ça ou besoin assistance. Michée chapitre 7 le verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet mon ennemi car si je suis tombé je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Wow! Quelle assurance! Hein? Mais les chrétiens yo a parlé, eh ben yo montre que yo gagne une assurance. Et nous gagne raison pour nous gagner assurance ça.
Et dans verset 9, là, on va dire, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Eh bien, Michée, livre ça que nous-mêmes n'a parlé sous lien dans verset ça, plus précisément verset 7 là. Côté que, eh bien, Michée lit, écrit ça pour être capable de bailler un message de confiance et de victoire avec peuple Israël. Eh bien, il y a un message de victoire, il y a un message, eh bien, de confession également. Parce que l'Hébreu dans le verset 9, là, je supporterai la colère de l'Éternel. Je supporterai colère bon Dieu, je supporterai. Parce que je connais mon péché contre lui. Combien de gens dans le ça qui est capable de dire une parole, qui est capable de reconnaissant? Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque vous reconnaissant, bon Dieu lui-même, lui prend acte, il va la pardonner péché, parce que vous reconnaissant de santé fait, hein? Vous reconnaître qu'au péché, et bien, vous demandez pardon. Vous demandez, bon Dieu, pardon parce qu'au péché. Eh bien, peuple Israël, hein? Ok? Eh bien, Israël confesse. Ok, Israël confesse, non, verset ça, n'a point que Israël a confessé péché li. Ok, Israël a confessé péché li. Li montre foi qu'elle gagne. L'a confessé, eh bien, foi li dans l'Éternel. Li montre yon assurance. Elle li avertit ennemi que la sorti notre trouble qu'il y a. En bas main, eh bien, moun sa yo que le trouvé là. En bas main, eh bien, ennemi sa yo que lui-même l'y trouvé là. En bas main, adversaire sa yo que le trouvé là. L'a sorti, l'a restauré. Eh bien, lui croit que, en bas main, Pharaon qu'il y ait, en bas mes Philistins qu'il y ait, en bas mes adversaires, en bas mes tout ennemis, en bas mes Dieu, pas qu'on est dans une minute ça là. Qui problème qui représentait pour vous le Pharaon? Qui problème qui représentait pour vous Babylone? Pas qu'on est qui problème qui représentait pour vous l'armée? Eh bien, Philistins, mais qui t'aime Dieu en ce moment présent? Bon Dieu, seulement besoin d'agir fort, ou besoin de confiance dans lui pour lui-même être capable de passer ensemble avec vous. Bon Dieu, pas jamais perdu bataille. Il pas jamais marché avec un monde pour monde ça lui-même, lui papoter la victoire. C'est ça que nous parlons, ouais, peuple Israël, hein, lui-même, il t'a confessé foi lui avec l'Éternel et il t'a envoyé un message clair par l'ennemi. Par contre, qui message va envoyer par ennemi ou une minute ça? Par contre, qui message va envoyer par moun qui parle mais on yo? Par contre, qui message va envoyer par moun qui a un piège pour yo? Mais une minute ça, m'a dit yo, c'est pour un petit temps. Dit yo, ça y a fait, il pas durer en pile temps. Bon Dieu pour le passer ensemble avec vous. Dit yo, situation que vous y a. Il pas durer en pile temps. Il n'y a pas besoin de prendre plaisir. Il n'y a pas besoin de connaître ce qu'il a fait. Parfois dans la vie, hein, nous on fait faux pas. Parfois dans la vie, hein, nous on tombe. Parfois dans la vie, hein, nous on commet des péchés. Mais qui te dit, l'on péché, ou était demeuré dans le péché, hein, ou fait tout mal, ou fait tout en pile mal. C'est ça qui est important, l'on quand on fait ses péchés, l'important, l'on estime qu'on péché pour demander pardon. Il y a des gens qui ne demandent pas pardon. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils sont faibles. Non. L'homme demande pardon, c'est parce qu'on reconnaissant. Ça, c'est un signe de grandeur qu'il y a. C'est mon signe de lâcheté, même Jean-Pierre, le monde fait quoi, lui? La reconnaissance est une lâcheté pour les ignorants, hein? Pour les antichrists. Ok? Ou pas qu'un chrétien pour pas gagner reconnaissance. Ou besoin toujours reconnaissant.
Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Ou pas besoin d'avril. Ou mettre campé même pour dire adversaire. Ou mettre campé même pour dire ennemi. Ou pas besoin de rime. Ou pas besoin de réjouir. Ou pas besoin de content. Si je tombe, je vais lever. Et ça fait, pas jamais mettre dans tête en tant que chrétien, pas qu'à tomber. Pas jamais mettre dans tête en tant que chrétien ou dépasser sa vraie sainteté. Hein? Ou tellement saint, ou dépasser la sainteté. Non. Non, pas capable de mettre ça dans tête tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus chrétiens que Jésus-Christ. Mais qui te dit, mon frère, ou à vivre sur la terre, ou pour qu'on en ciel. Et ça fait l'important. L'important pour vivre, vivre selon Jean bon Dieu, mandel. L'important pour marcher selon les principes de la Bible. Moi, peuple Israël, quelque part, il t'a fait rébellion. Quelque part, il t'a fait ridicule. Mais par la suite, il t'a pas rendre compte que il était dans erreur. Il t'a pas rendre compte que il t'a fait tête d'ia Jésus-Christ. Mais lorsque vous-même, vous êtes reconnaissant et bon Dieu t'apprend à passer ensemble avec vous. Lorsque leader vous-même, vous campé pour vous mener au peuple. Leader a besoin sanctifié. Leader a besoin confiant. De nos jours, nous avons série des leaders. C'est comme si c'était un nègre qui a cherché un pain quotidien. Mais qui te dit, mon frère? Si c'est Christ qui est là, c'est Christ qui a vocation ça, qui a appel ça, mon frère. Ou besoin de l'amour, ou besoin de sentiment qui était dans Jésus-Christ. Bon Dieu, pas pris l'eau sans formation, pour ne pas former. Mais pas jamais été dans l'ignorance ça. Même si on s'est dit mon abdil, depuis bon Dieu, il est tout formé, il n'a pas besoin de prendre quelle autre formation. Pas arrêter dans cette ignorance. Depuis bon Dieu, il est tout formé, bon, bien que nous connaissons, on s'est dit mon. Car la théologie, quand on fait approche, ça c'est parce que, bon, c'est des gens qui ont la théologie, ils ont les têtes de pasteur. Même c'est théologien que moi-même, moi, j'étudie théologie également. Mais si on n'a pas dit appel, bon Dieu, ou pas qu'à dire que c'est pasteur. Être pasteur, c'est une vocation. C'est un appel qui vient du Saint-Esprit. C'est pas un bon matin levé là, ventre plein, on dit, ou t'es dormi ventre plein, on fait rêve, ou bien quelque part, on est que les votants des grands pile n'a fait comme qui dit ou bien l'église pourtant c'est affaire la régler ou dans nos pasteurs. Non. Grand pile nègre réellement qui gagne un ministère. Il y aurait l'église, mais c'est boulanger que vous gagnez, c'est entreprise, c'est quincaillerie que vous gagnez, c'est pareil pour faire l'argent que vous gagnez. Ou même parlant, suivre courant ça. Et sous suivre courant ça, on va tomber. Sous suivre courant ça, bon Dieu a puni. Et le dernier jour, il y a pile, messieurs, nous te connaissons sous chair. Grand pile, mesdames, nous te connaissons sous chair. Il va commencer à avili. Diable pral avili. Parce que pral grand esprit d'égarement, il va tomber sur vous, même dans la Bible dit. Pral bon esprit égarément qui pral vini côté que ou pral ouais réellement vrai facile même genre pendant confinement bon série de ministères bon série de assemblées ou te connaissé assemblée Jésus-Christ que yo yé mais ou pral comprendre que pas gagné de Jésus-Christ qu'a prié comment t'as comprendre pendant confinement pendant yon quarantaine pendant yon période côté que tout monde la caille tout monde ben pas qu'à sortir et yo manger chaque jour yo payer kayla chaque mois monde qui à l'étranger et puis yo ministère de Jésus-Christ l'ensemble des chrétiens yo réunis pour former l'église où l'église est capable de bailler bon Dieu gloire adoration pour capable de communier entre yo pour capable de partager entre yo certaines choses ou pas jamais moi non ou connaît le confinement ou pas jamais ballon appel. Même là, pas de support économique pour ta valise. Pour parler le moment de ma soeur, mon frère, comme on dit. Ça veut dire, c'est offrande dans yon besoin d'amour. C'est digne dans yon besoin d'amour. Pas jamais mettre ou dans situation ça. Et ou même leader qui trouve dans position ça, c'est crasse. Moun qui intéresse ou, c'est pas nom yon
Ce n'est pas grâce, mon Dieu, quand on qui intéresse vous. C'est grâce, vous ne sont pas convertis en ce moment. Sont pas convertis ou continuez à prêter, demeurer dans la salle. Gonjou la chou. Gonjou kapri, mes amis, sans attendre, et bien bagay ou kamiel pou. Et ça fait moi inviter à la confession en ce moment. Si vous à peine rejoignez nous, ou à suivre le confort matinal. Le confort matinal, c'est sur Radio Télé Motivation Spirituelle. Eh bien, il est important pour toujours rappeler ennemi, rappeler adversaire que même dans ta tombe, on va lever parce qu'on est bon Dieu ensemble avec vous. Quand il y a le monde qui tombe, qui tourne à terre, ou pas qu'un chrétien pour tomber, ou est à terre. Non, Christ n'a pas besoin de lâches faire outre ensemble avec lui. Christ a besoin de monde qui est prêt pour marcher, de monde qui est prêt pour lui-même, lui faire un pile sacrifice. Bien que la parole de Dieu dit non, obéissance là, le plus bon, le plus important que sacrifice là. Vous avez un cas pour pile sacrifice là, ne vous pas obéir avec parole de Dieu. C'est quand il va faire. Quand il va faire. Ok? Quand il va faire, si vous pas obéir. C'est ça, je ne vais pas jamais marcher dans la logique. Les gens qui ont dit obéir sans comprendre. Non. Je ne vais jamais marcher dans la logique ça. Et ceci n'est pas biblique. Obéir sans comprendre. Qui veut se dire? Obéir sans pas comprendre. Non, on a besoin de comprendre d'abord. Et la compréhension vient de Dieu. La compréhension vient du Saint-Esprit. Ou comprendre. Ou de vous obéir avec un bagage, c'est parce que vous comprenez. Ou est-ce que pas comprendre bagay lan ou pas obéir ou besoin rester dans rester au pied du maître pour capable comprendre pour obéir ensemble avec lui. Grand pile bagay que nous fait c'est parce que nous pas comprendre et ça fait nous fail et ça fait ou besoin mander et Christ yo esprit de discernement pour comprendre soit lui comprendre. Il est pas capable jamais comprendre yo. Ou est-ce pas jamais comprendre yo? On va demander frère tel, on va demander soeur tel pour faire comprendre. Ou ka toujours questionner, mais le capable d'avoir une bonne réponse sur le bas. Quand qui est-ce qui va pas comprendre? Le Saint-Esprit. Il y a des versets au Kali là, il y a des passages au Kali là, si c'est avec propre capacité intellectuelle, ou pas jamais comprendre. Ou pas jamais comprendre. Et pas chercher comprendre, pas chercher belle connotation, pas. Pas chercher comprendre, tordre le mal connotation, pas. Non. Ou besoin à son genou, demandez le Saint-Esprit pour le faire comprendre. Demandez le Saint-Esprit pour lui-même, lui aider à comprendre, soit doué comprendre. L'important, c'est de rester dans la présence du Seigneur. Obéir avec loi, lui. Obéir avec ça que le dit. Pablo me dit, nous cherchons à comprendre. Et compréhension, elle ne va pas venir des pasteurs là. Compréhension, elle ne va pas venir des frères là. Compréhension, elle ne va pas venir des sœurs là. Il y a quelques bagailles yo ka fò comprendre mais il y a quelques bagailles pa chan ka fò comprendre. Il y a des bagailles c'est le Saint-Esprit même pour faire appel ensemble avec lui pour faire comprendre parce que pasteur la limité, frère la limité, nous-mêmes l'homme nous limité. Nous-mêmes l'homme nous limité. Comment d'abord, m'a bon petit exemple tout petit. Ou pral me comprendre ça? Ou gal dim si la fwa mba genye? Yon pasteur kap explique e yon fidèl li ki pral mari. Fidèl la pa gen loul, pa gen leje, e pral mari. Jou ap vini, mariage programme, mse pou konnen nan ki hotel li bal fè loun de miel. Li pou konnen, ebyen, koman sa pral ge an tem de kay lèl fin mari li bal a fermi, parce que pou te koubati. Seulement la mariée. C'est quoi que la mariée et puis l'irrité la mariée. Je vois courir. Nous connaissons le mariage dans les préparations. Bon, il y a un petit décor, il y a un petit décoration française, des choses, investi tout petit. Mais ce qui est important, il y a un peu de choses. C'est là, l'irrité, la gifoile, la gifoile, la gifoile. Et puis, à la veille, mariage. Donc, il vient de me dire, frère tel, et moi, je vais mettre tout problème, non? Et
Ouais, caille pour aller gagner pour habiter hein, après mariage là. Mais comment ça vous fait? Mais comment ça vous fait? Il dit, ouais, hôtel pour aller faire l'une des miel là. Tout le bagage assuré. Donc, il n'y a pas besoin de quelques problèmes pour ça. Donc, tout le bagage assuré. Waouh! Tout le bagage assuré. Quand on a expliqué ça, vous ne pouvez jamais comprendre ni. Pour ce niveau foi ou pas même avec l'autre. Mais tout, je ne pas vouloir comprendre que ou doit rester avec des millions, ou pas doit chercher travail, ou pas doit gagner dans le monde, ou penser que ou va gagner même histoire avec monsieur ça. Non. Il a son histoire. Chaque monde a une histoire par eux. Chaque monde a une capacité par eux. Chaque monde a un moment par eux la Christ. Quand on parle de mon Dieu, t'es passé avec elle, mon Dieu, t'es mal caille, mon Dieu, t'es mal hôtel, mon Dieu, t'es mal ceci, ou pas le même genre, tout, pas de travail. Alors, ce n'est pas de travail, il n'y a pas de travail, non? C'est quelqu'un qui a un métier, non? Mais seulement, il était planifié, bon, pas de condition là avec Christ. Mais quand on a là, il y a un monde qui n'a pas quoi ça t'a fait. Même lui-même, il est tout. Mais seulement, il était la foi. OK? Gen moun kap tande la, sa kam rive ou di, waw, mbat kon bagay kon sa tap fet. Men gen pi gro bagay moun je fe. Gen pi gro bagay moun je fe. E sa fe gen de situasyon kon ye, gen moun ki panse ou echwe. Non, ramen. Ou pa echwe. Ou pren yon brimad nan vi, an. La vi a bo yon kan. Ou bi yon te fon bagay, kris bo yon kan. Men pare te a ter. Ou ap leve kan men. Paske kris ap avek ou. Et la parole de Dieu dit encore, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis dans un moment fait noir, si je suis dans un moment trouble, si je suis dans un moment pas qu'à manger, si je suis dans un moment pas qu'à payer, l'Éternel sera ma lumière. Bon Dieu, bon Dieu, il y a le pouvoir pour le faire et l'habitude de faire. C'est évident ça qui t'a pas le marié, qui peut courir réellement côté le bralé dans l'une des miel, qui peut courir réellement côté qui t'a pas le retirer, parce que nous connaissons un peu qui toujours fait, normalement il y a un budget, mais n'a tel cas d'Amérique, surtout fille, nous connaissons des petits gens plus sophistiqués parfois. Nous avons toujours besoin, c'est dans un château, c'est dans... C'est dit, on imagine nous-mêmes, frère, pas de métier dans le monde. Ou papa dit la foi, ou chambre pour annoncer les bagailles. C'est vrai que tu as pris l'autre monde en béni, l'autre monde en miracle qui éclaté, ou même pas tant pour ton papa son mari quand ça t'a fait. Mais qui te dit, ou besoin agir la foi pour capter la victoire. Toutes les fois ou pas agir foi ou pas changer victoire. Toutes les fois ou pas concentrer ou pas mettre de côté esprit d'inquiétude ça esprit de doute ça sous pas retirer lui non même et eh bien si vous regardez pour l'autre monde béni ou pas chambre béni parce que vous manquez la foi ou besoin agir foi ou il y a plusieurs serviteurs dans la Bible parle nous que vous avez la foi d'Abraham la foi de Job et tant d'autres serviteurs. Tu te crois dans bon Dieu. Ou tu as toujours cru dans bon Dieu. Parce que c'est le même Dieu. Ou besoin d'agir la foi. Ou. Et l'on en situation, yo, même genre, Israël t'a dit, je supporterai l'indignation de l'Éternel, car j'ai péché contre lui. Reconnaissance, ou besoin de gagner la caille. Ou besoin de reconnaître qu'on péché. Ou besoin de reconnaître que y a des bagailles que vous faites qui pas bon. Et leur reconnaissant envers vous. Bon Dieu, il met la page pour. Ou même qui croit dans bon Dieu. Non, lorsque il croit dans bon Dieu, lorsque il a habitude pour croire dans bon Dieu, lorsque ou même capitaine de là, ou bien habitude pour croire dans bon Dieu. Et bien, ou pas douter de salut au final. Il y a des gens qui ont douté, est-ce que nous sauvons? Ou des gens qui ont douté sur sauver qu'on va vivre dans le péché continuellement. Ou vivre dans le péché, ou demeurer dans le péché. Ou des gens qui acceptent Christ de tout cœur, qui soutient un vieil homme, qui d'accord marcher selon la volonté de Dieu.
Il va en douter s'il saurait. Seulement de jour en jour, l'a approché vers Christ. De jour en jour, l'a fait ça qui est bon. De jour en jour, l'a fait ça qui est bien. Même dans la Bible dit, aimez Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Remets bon Dieu avec tout cœur. Remets prochain. Il faut partager. Partager son gain avec prochain, avec un avec monde qui est dans ton fardeau. Il est important pour moi souligner pour nous. Lorsque vous croyez dans bon Dieu, non, lorsque vous croyez dans bon Dieu, victoire lui-même, lui assurer. Ok? Lorsque vous connaissez que vous marchez la caille bon Dieu, lorsque vous connaissez qu'un petit accident qui vivait, mon père était demeuré dans l'accident, mon père était demeuré dans son tombé, hein? Eh bien, vous croyez que occasion de relèvement là, l'ila, eh bien, ou toujours confiant, ou toujours fort. Eh bien, d'après passage dans Michée, chapitre 7 là, eh bien, il fait nous connaître. Victoire nous, il assure. Eh bien, il croit que peuple Israël croit que, tu crois que, depuis lui rete la caille, mon Dieu, depuis lui rete que, lui rete dans la volonté, mon Dieu, mais le moment ténèbre, yon karini, mais pas peur. Si ténèbre, tribulation, yon vini, yon environné, il pas peur, parce qu'il connaît l'éternel. Sera sa lumière. L'Éternel a lumière. L'Éternel a passé ensemble avec lui. L'Éternel a éclairé. Tel est la route là. Et bien, lorsque Christ apparaîtra, l'absorbe, la parmi saint qui a même fait volonté, bon Dieu. Et bien, ce qui est très important, péché que vous faites, eh bien, ça que ou même vous demeurez là-dedans, lorsque vous reconnaissez qu'il n'est pas bon, eh bien, cœur l'a soulagé. L'important pour nous-mêmes, nous rester connectés avec Christ. L'important pour nous faire sacrifice de pour victoire, il est capable d'assurer. Vous avez besoin de confier en Christ. Et ça peut me dépasser matin pour nous dire. C'est tout problème. Seulement, lui, t'es confiant. Mais en tant que l'homme, oubliez, vous avez des responsabilités vis-à-vis de votre environnement. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de votre pays. Prends responsabilité. Il y a des chrétiens qui ne participent pas en rien et puis capitaine de Christ béni. Ou méchant. Ou méchant, ou pas participer dans quelle association, dans quelle organisation, dans quelle équipe d'assainissement, et pour obtenir mon Dieu béni. Ou rester au point de vue spirituel seulement, rester dans la prière. Mais, code social, là. Ou pourquoi dans le ciel, mon frère? Ou pourquoi dans le ciel, ma soeur? Même les bon Dieu apprennent cause ou yon en main, mais ou même, ou besoin, faire volonté, ou besoin, créer un environnement propice. Côté ou besoin créer un environnement côté que monde capable vivre et ou même pour bénéficier de lui. Comment tu comprends chrétien a plaigné pour l'hôpital, chrétien a plaigné pour l'école. Et si nous te mettons tête nous ensemble, nous te capable faire un bel hôpital, nous te capable faire une belle école, nous te capable faire un bel centre de santé, un bel centre professionnel. Nous pas mettre tête nous ensemble, nous là n'a plaigné. Chrétiens, nous capables, si nous têtes ensemble, nous capables de réaliser grandes choses. Pendant qu'on croit dans bon Dieu, pendant qu'on obtient victoire, il y a des choses terrestres. Il faut qu'on joigne, yo, mais pour joindre, il faut qu'on prie, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on prie seulement, il faut qu'on prie, il faut qu'on travaille pour que nous joignions. Il est important pour rester dans la prière, mais il faut qu'on travaille, mes chers bien-aimés. L'important pour joindre sa bon Dieu à barou, hein? Mais au besoin ou même dans condition pour ténèbres qui en don qui a changé en lumière pour Christ a passé et bien une vitesse de l'amour de sagesse
de victoire sous la vie ou besoin de lutter. Connecté avec lui pour qu'il change détresse en joie, chagrin ou tristesse ou pour qu'il change en joie et en gaieté. Pendant que ou a dormi, pendant que ou même ou n'ayons sommeil profond, plusieurs ennemis viennent attaquer, plusieurs adversaires viennent tenter pour être capable de faire du mal. Mais c'est pas ange de Dieu, c'est pas la protection, la sécurité de Dieu. Ta banane, mais grâce soit rendue à Dieu, ou vivant, et ou prêté vivant, ou prêté connecté, la grâce Seigneur. C'est ça, me dépasser, partager ensemble avec nous dans le ça, dans le réconfort matinal. Mettez quoi? Ou capable focus sur foi ou capable focus sur confiance ou dans bon Dieu. Et comme ça, victoire est assurée. C'est un plaisir pour nous déposer partie ça pour vous. Nous allons passer dans la dernière partie, dans la dernière partie qui c'est eh bien présentation yon livre dans la Bible, la présentation des livres. OK, nous allons présenter où un livre vous êtes connecté, pas oublier, c'était dans Michée chapitre 7, verset 8, 9, nous t'a parlé ensemble avec vous, côté que nous te joignons un message, ça c'est un message de confiance et de victoire. Un message de confiance et de victoire, ma reprendre pour vous, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. OK? OK? L'Éternel sera ma lumière. Ça l'important en pile. L'important en pile. Wow! Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Donc, on est important. L'important pour vous-même, vous êtes connecté avec Christ. Nous allons venir pour vous dans la présentation. Et bien, livre là. Rete connecté, n'a tourné pour présentation livre là. Jodi an n'a présenté ou livre Matthieu. Matthieu qui lui-même signifie cadeau du Seigneur. C'était l'autre nom Lévi, OK, que publicain hein, lui-même il t'a pas laissé pour être capable suivre Christ, qui t'a pas laissé toute bagaille pour que il suive Christ. C'était un publicain qu'il était, c'était l'autre nom Lévi, Matthieu lui-même cadeau du Seigneur. Eh bien, nous t'apprenons ouais que Matthieu lui c'était un 12 apôtres Jésus-Christ. OK, d'après Matthieu 10 verset 3, Marc, verset 3, alors chapitre 18, verset 3. Okay? Et il était lui-même, by tête, et publicain. Bon, nous, publicain, nous sommes son collecteur d'impôts. Ok? Lorsque lui-même, il a dressé des listes, il a fait une série de choses, eh bien, nous sommes capables de gonti idée. Eh bien, livre ça, qui c'est Matthieu, hein, lui écrit dans les années 50 à 70. OK, dans les années 50 à 70, livre ça lui-même lui écrit date ça qui est relative avant mais alors si ici Évangile Matthieu hein lui écrit à une date relativement ancienne. Une date qui est relativement ancienne. Avant la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est dans la date ça, entre 50 à 70, l'an 50 à 70 après Jésus-Christ. Eh bien, Matthieu lui-même, livre ça, lui gagne 28 chapitres, lui divisé en 4. Il y a 4 grandes divisions, ou même capable de dire 4 divisions majeures. Et bien, nous gagnons ce titre dans le chapitre 1er, dans le chapitre 4. Nous parlons des personnes de Christ.
Sorti dans le chapitre 4 pour arriver dans 11, il parle du programme de Christ. En le programme de Christ, on a une prédication de l'évangile, serment sur la montagne, miracle, la puissance, envoi des 12 jugements à venir. Et bon, dans le premier, qui te dit, dans le premier verset en attaque, c'était généalogie, naissance, et virginal, fuite en Égypte, Jean-Baptiste, baptême de Jésus, tentation de Jésus. Et mais troisième division qui s'est assortie dans chapitre 12 pour y venir dans chapitre 20, ben nous prenons rejet par les Juifs, conflit au sujet du sabbat, péché impardonnable, parabole du royaume, faux enseignement des pharisiens, préparation des disciples, confession de Pierre et puis transfiguration. Et pour la toute dernière division majeure, c'est entre chapitre 20 à 28. Entre chapitre 20 à 28, eh bien, nous avons victoire de Christ. Là-dedans, nous avons dimanche des rameaux pour qui adopté dimanche des rameaux, tout ça, nous de nos jours, catholiques surtout, ou adopté bah, dimanche des rameaux. Il y a purification du temple, prophétie du mont des Oliviers, il y a complot pour tuer Jésus, arrestation, procès, crucifixion, résurrection, ordre missionnaire. Alors c'est ça dans quatre divisions majeures. Yo. Eh bien, nous pralwe kounya qui du livre ça. Matthieu a écrit pour prouver que Jésus Christ est le Messie, roi promis dans l'Ancien Testament, qui a été rejeté par les Juifs, même si ses paroles et ses œuvres démontraient qui il était. Ça veut dire que le livre a été écrit pour prouver que Jésus-Christ, c'est un Messie, hein, c'est roi que les Écritures de l'Ancien Testament t'ont parlé de lui. Quel message nous capable d'appliquer à partir de le livre ça? Eh bien, la prétention messianique de Jésus ne peut pas être ignorée. Elle doit être soit acceptée de façon personnelle, soit rejetée, ce qui entraîne des conséquences éternelles. Eh bien, espérant ça, croyant ça que nous gagnons de Jésus-Christ, il n'est pas capable d'ignorer, il n'est pas capable yon bagay que ou prend la légère. Non. Li doué accepter, li doué yon bagay nan fond cœur. Et ça fait li important lorsque ou même kwen nan bon Dieu, puis gon série de moun ka bin dou, est-ce qu'il existe? Y a même besoin ka toujours poser des questions. Ou ka toujours parler fond série de choses. Mais pas jamais mettre existant Jésus-Christ, pas jamais mettre li en question. Bon Dieu Christ, bon Dieu existe, Jésus-Christ existe, nous joignons sa preuve là à travers la création et d'autres choses. Ok, je ne parle que nous-mêmes, nous opinions sur ça. Bon, ben, nous quelques chapitres clés avant que moi aller parce que l'heure là, lui-même, l'idée est arrivée. Eh bien, dans le chapitre premier, nous parlons de généalogie légale, chapitre 2, visite des mages, sentence de mort de Wood. Bon, ça qui ont dit gens puis frappé yo parce que m'a cabane tout. Nous pas baptême de Jésus-Christ c'est dans chapitre 3, nous ouais tentation chapitre 4, nous ouais et serment sur la montagne c'est chapitre 5. Nous ouais encore péché impardonnable c'est dans chapitre 12. Venez à moi c'est chapitre 11. Parabole du royaume, chapitre 13. Confession de Pierre, c'est chapitre 16. Ok, nous avons encore question mariage, divorce, remariage, c'est dans le chapitre 19. Et puis, nous avons encore et discours du mont des Oliviers, c'est chapitre 24-25. Trahison, Judas et passion, jugement, crucifixion, résurrection et ordre missionnaire, c'est à partir de et chapitre 26, ça privé, non 28. Là. Alors, c'est ça, nous avons gagné dans la présentation livre là pour qui c'est Matthieu. Quelque part, où on tient information, son survol nous fait sous lit, nous avons ça qui est plus important sous livre. Ça, l'irrité pour nous, guide
de lecture là pour journée hein, eh bien nous pral ba ou guide lecture là, restez connectés, nous pral ba ou guide lecture là pour journée hein. Eh bien guide lecture là pour 16 mars 2021, c'est Josué chapitre 7 et 8 pour Ancien Testament. Eh bien, pour Nouveau Testament, c'est Marc chapitre 14, verset 22 à 42. Bah, pour prendre pour nous, guide lecture là, ça n'a pas pour nous lire pour journée, hein, c'est Josué chapitre 7 et 8. Et puis, dans Nouveau Testament, Marc chapitre 14, verset 22 à 42. Merci, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous, pour nous t'épouter pour réconfort matinal, pour journée 1, rester connecté, rester la caille Christ. Pas jamais oublier, rester connecté avec Radio Télé Motivation Spirituelle. N'importe où vous êtes dans le monde, tapez sur Google Radio Motivation Spirituelle ou après toute plateforme ou capable de brancher nous ou bien aller sur www.radiomotivationspirituelle.ga. Comme ça, vous êtes capable de rester connecté sur le website là. Et puis, invitez un ami, remettez page radio, invitez un ami, connectez ensemble avec nous. Également, sur YouTube, sur Facebook et sur toute l'autre application, bien, sur toute l'autre réseau, bien, sur toute l'autre plateforme. Non, pas M. Vladimir Michel, c'est ton plaisir. Bon Dieu bénis nous, restez avec la paix, bon Dieu.